Tu m'as fait peur avec tous tes couteaux. Ah, tonton Elise, ça fait si longtemps. Raconte, raconte. Ah, mon fiston, ça va bien. Mon beau frère, quelle surprise. Raconte. Ah, attends, laisse ton homme tranquille. Ça va? Ça va? Bien. Viens t'asseoir. Oui. Ah bah, il fait bon ici. C'est pas comme là-bas. Là-bas? Oui. Mais où ça, là-bas? En tout cas, j'y ai passé 2 ans là-bas. Ouais. Les plus belles années de ma vie. Raconte. Ah bah, je vivais dans une tribu. Les Onamas. Les Onamas? Oui, les Onamas. Au bord d'un large fleuve. Et j'y pensais. Je vous ai rapporté des cadeaux. La poupée qui dépose de ton sac, c'est pour moi? Non, la patouche. Tu sais, cette poupée est très, très, très dangereuse. Ouais. Tiens, il suffit de la toucher en pensant à quelqu'un. Voilà que ça lui arrive. Bye. Allez, on passe à table. Il y a aussi le serpent qui est là. Un serpent? Regarde ça. Maintenant, on peut aller à table, comme vous le dites. Eh bien, avec plaisir. Dis-moi, Ulysse, ouais. Là-bas, le climat politique, c'est comment? Voilà, mon frère, tu sais, cette poupée est très, très, très dangereuse. Comment? Il suffit de la toucher en passant à quelqu'un. Voilà qui ça lui arrive. Très, très, très dangereuse. Tu sais. Voilà qui ça lui arrive. Oui, tu as raison. Jonathan, mais tu t'endors? Va donc te coucher. Demain, tu dois aller à l'école. Oui. Avec le sujet, madame. Jonathan, qu'est-ce que tu caches, là? Rien, madame. On va voir ça. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est juste une poupée. Silence! Silence! Confisqué. Tu m'expliqueras tout à l'heure ce que tu fais avec une poupée en classe. Je n'ai même pas réussi à récupérer la poupée. Qu'est-ce que je veux dire à tonton Elise, maintenant? Tonton, t'es là? Tonton, t'es là? Je suis désolée. Je suis partie très tôt ce matin. J'avais quelque chose d'urgent à régler. Je n'arrive pas à retrouver la poupée Zonama. Si vous la retrouvez, rangez-la dans un tiroir et ne la touchez sous aucun prétexte. Elle est bien trop dangereuse. Ouf, je n'aurais pas à m'expliquer. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Il est arrivé malheur à votre maîtresse. Aïe! Je vous demande de rentrer chez vous. Tu ne cacherais pas quelque chose? Tu te rappelles la poupée que la maîtresse m'a confisquée ce matin? Ben, elle est magique. N'importe quoi. Toi, pour te rendre intéressant. Tu te rappelles les 4 qui sont tombés ce matin? Ben, c'est moi qui les ai fait tomber, avec l'aide de la poupée. Mais c'est terrible! Eh, c'est pas tout. Tu sais ce que tu as senti ce matin dans tes cheveux? C'est moi. Et le pire, l'accident de la maîtresse, c'est sûrement la poupée. Tu veux dire que... Oui, elle est très dangereuse et il faut la récupérer à tout prix. La récupérer aujourd'hui? Oui, ce soir à 20h pile. Tu veux m'aider? Ben oui, d'accord. À ce soir.
T'as vu l'heure? Non mais tu te fiches de moi. Et là, calme-toi, j'ai pas pu faire autrement. Mes parents m'ont fait faire mes devoirs. Puis je suis allée me coucher. Enfin, j'ai fait exprès. Puis mes parents ont regardé la télé. Oh, tais-toi. Déjà que t'es en retard, tu veux réveiller le gardien en plus. Si on veut récupérer la poupée, c'est maintenant ou jamais. Je l'ai. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Le mieux, ce serait de l'enterrer. Dans un cimetière? Dans un cimetière, en pleine nuit. Non mais ça va pas, la tête. Bah où alors? Je sais pas, moi. Derrière l'école, personne ne saura. Ah! Oh non, mais ça va pas, la tête. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Super mal. T'as pensé à moi, c'est ça? Laisse-moi faire. Allez, Joe. Va donc te coucher. Ça fait combien de fois que je te le dis? Ça va? Mais qu'est-ce que je fais là? D'abord, excuse-moi, tante Alice. Je n'aurais pas dû prendre la poupée. Poupée magique? Non, je disais ça pour te faire peur. C'était une blague. Allez, va donc te coucher. On reparlera de tout ça demain. Attends, tiens. Tiens la poupée. C'est pour toi. Si tu ne la sers pas trop fort, sinon tu vas étouffer quelqu'un, hein? Et surtout, lave-toi le visage avant d'aller te coucher. Oui. Bonne nuit, mon petit Joe. Bonne nuit, hein? Ah, si tu pouvais être magique, toi. On en ferait des choses tous les deux. Bonne nuit, Safia.